Voilà comment je prie. Adam Sernem pour Totonay. Moi, Mam, Mamadou Philippe Karambiri. Frédéric Ouedraogo. Je demeure sous ton abri. Mam Pada Nyam Tengre. J'ai décidé, ô Dieu très haut, Mam Yakayam, ô Winam Sembe Yingri, de faire de toi mon abri. Tom Naman Yamam Zisolodon. Et là, à cause de cela, je me repose à ton ombre. Parce que ton ombre donne le repos. Dans mes luttes quotidiennes, dans mes temps de fatigue, je n'ai qu'un seul lieu de repos, ton ombre. Alors Seigneur, reçois-moi dans ton ombre, qui est une grande protection. À cause de cela, Seigneur, je te dis aujourd'hui, tu es mon refuge et ma forteresse. Car je n'ai pas d'autre refuge. Dans ce monde méchant, où les gens cherchent à nous nuire, où les gens cherchent à nous détruire, où est-ce que je peux avoir un refuge, une forteresse? C'est toi, mon refuge, ma forteresse. Parlez de tout votre cœur. Ne récitez pas des prières. Les récitations ne prévalent pas ici. C'est votre cœur qui parle. Et vous regardez la Bible encore. Tu es le Dieu en qui je me confie. Je place ma confiance en toi, Seigneur. C'est toi seul en qui je peux placer ma confiance. Car les hommes m'ont déçu. La religion m'a déçu. Mais toi, ô Seigneur, tu ne me décevras pas. Je place en toi ma confiance. Et je sais qu'en plaçant ma confiance en toi, toi tu me couvres et toi tu me délivres du filet des oiseleurs. Il y a tellement de gens qui sont des oiseleurs qui veulent me mettre dans leur piège, qui tendent des pièges autour de moi pour me détruire. Mais Seigneur, ô Dieu, c'est toi qui me délivres. Délivre-moi du filet des oiseleurs, de la peste et des ravages de tout ce qui se passe autour de moi. Il y a tellement de ravages provenant des guerres, provenant des situations de rébellion, des violences des jeunes gens. Seigneur, couvre-moi, car tu es une grande mère poule, je suis un poussin. Couvre-moi de tes plumes géantes, oh, car sous tes ailes, je trouve un grand refuge, car tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité, oh Seigneur, est un bouclier qui arrête tous les traits enflammés du diable. Ta fidélité est une cuirasse que l'épée de l'ennemi ne peut traverser pour détruire mon cœur. Oh Seigneur, je ne craindrai pas à cause de cela les terreurs de la nuit, tout ce qui terrorise la vie des gens, les esprits méchants, les suceurs de sang. Je ne veux pas les craindre, car leurs flèches sataniques retourneront contre eux-mêmes. Retourne leurs flèches contre eux, Seigneur. Et la peste, les ravages qu'ils ont mis dans le monde, les contagions qu'ils ont fabriquées, ne peuvent pas m'atteindre, car je me place sous le sang de Jésus-Christ. À cause de cette protection du sang de Jésus, que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, ni ma famille et moi-même. De mes yeux, je verrai toutes ces personnes-là, je verrai ces situations être transformées, et les méchants vont recevoir leur salaire. Oh Seigneur, tu es mon refuge. Je le répète encore, Dieu fait de toi ma haute retraite. Et je sais qu'aucun malheur ne m'arrivera. Et si un malheur m'arrive, tu m'en délivres toujours. Aucun fléau ne restera sur ma maison. C'est pourquoi, Seigneur, je sais qu'en me réfugiant sous tes ailes, en te prenant comme mon refuge, ma forteresse, tu vas ordonner à tes saints anges de me garder, ma famille et moi, dans toutes nos voies. Tu vas ordonner à tes anges de nous porter sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent et que nous marchions
marcheront sur le lion et l'aspic. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, car je t'aime. Oh, tu m'as aimé le premier. Je t'aime. À cause de ça, tu me délivres et tu me donnes ton autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, c'est l'homme ça. Seigneur, comme je t'aime, tu as décidé de me protéger. Oh, je te remercie. Je te connais par ton nom. Ton nom, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Le nom du Dieu incarné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant ces noms, chaque matin, chaque soir, je me mets à genoux et je t'adore. C'est pourquoi, quand je t'invoque, toi tu me réponds, parce que moi je suis un adorateur, je t'adore, et toi tu me réponds, tu es avec moi dans chaque détresse de ma vie. Les détresses sont nombreuses. Les détresses familiales, financières, physiques. Tu me délivres. Et moi, je te glorifie. Oh Seigneur, que ma vie ne soit pas coupée. Que je vive. Que je sois rassasié de longs jours. Parce que, Seigneur, tu me fais voir ton salut. Telle est ma prière. Et tout cela, Seigneur, j'asperge le sang de Christ Jésus sur ma famille, sur mes affaires, sur mon entreprise, sur l'église, sur ma vie. Et je plaide les mérites du sang de Jésus. Oh Seigneur, comme Job a tracé une haie de protection par le sang des agneaux animaux. Et à cause de ça, sa famille a été gardée. Moi aussi, je trace chaque matin, chaque nuit, une muraille de feu par le sang de Jésus, afin qu'aucun démon ne puisse traverser, aucun malfaiteur ne puisse traverser. Oh Seigneur, je m'en remets à toi, je me confie à toi, je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi, car tu es l'unique. Et si vous faites cette prière, humblement, la grâce de Dieu vous gardera. La grâce de Dieu vous conduira. Prenez cette cassette-là. Venez vous procurer de ça à Impact TV. Et prenez ça chez vous à la maison. Étudiez tout cela dans chaque circonstance, même dans vos voyages. Appliquez le sang de Christ Jésus sur vos bagages, sur votre voiture, sur vos enfants quand ils vont à l'école. Aspergez le sang de Christ Jésus par la foi. Ouvrez votre bouche. J'asperge le sang de Christ Jésus sur mon mari qui voyage, sur mes enfants, sur ma maison, sur mes affaires, mon entreprise. Et vous verrez alors la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que ce message-là vous fortifie dans ces jours difficiles au nom de Christ Jésus. Que notre pays tout entier, nous aspergeons le sang de Christ Jésus sur leur famille. Que toute personne qui est engagée pour protéger son prochain, que la grâce de Dieu soit sur tous les combattants de justice, de vérité, que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Christ Jésus. Amen.